into the ring. It's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien à la maison. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast saison 6. Je suis Johnny D et j'anime une fois de plus cette belle émission avec mon collègue de toujours, Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradaben. Comment ça va, mon Ben? Ça va bien. Encore très heureux de partager cette émission avec nos auditeurs en ta compagnie. Yes! Grosse semaine de lutte. Et puis, juste en commençant, on voudrait prendre quelques minutes pour faire une petite plug de nos amis du Live Wrestling Auction. Donc, chers auditeurs, n'oubliez pas l'événement tant attendu qui se déroulera au Bullseye de Montréal le 18 octobre prochain. En collaboration, bien évidemment, avec le Wrestle Rock Podcast, Adam Bomb, Brian Clark et Rat, bien évidemment, de Chronic, de la WCW. Ouais. Benoît, tu te souviens de ce lutteur, sera présent pour un événement unique et exclusif avec la LWA. Et le Wrestle Rock Podcast animera le Q&A. Les billets sont au coût de $70. Vous pouvez soit nous contacter en privé ou vous les procurer sur le site Eventbrite et simplement taper Adam Bomb dans le moteur de recherche. Soyez présents, l'action ne manquera pas. Yes! Et puis aussi, on a ces nouvelles casquettes qui viennent d'arriver, nos fameuses casquettes du Wrestle Rock Podcast, au coût de $15. Donc, simplement nous contacter en privé et il va nous faire plaisir de vous en faire parvenir. Nous avons mis une dans la boîte. Yes! D'ailleurs, à propos de ça, on a un gros concours là, qui finit demain. Chers auditeurs, courez la chance de gagner un mystery box d'une valeur de $150. Donc, vous pourriez trouver là, des figurines, là, toutes sortes de belles choses là, comme un Roddy Piper ou bien des casquettes des porteurs. Oui, ou un Ted DiBiase ou des trucs qui sont le fun, peut-être pas lui. Là. Mais c'est ça, plein de belles surprises, donc d'une valeur de $150, encore une fois, en collaboration avec nos amis du Live Wrestling Auction. Aujourd'hui, Ben, grosse nouvelle, on sait que avant hier. Triste nouvelle, veux-tu y aller? On a appris malheureusement le décès de Sid Udy, qui s'est fait connaître notamment sous le nom de Sid Justice, Psycho Sid et Sid Vicious. Et là, je ne parle pas du punk. Là. Non, tout à fait. Pour les amateurs de lutte, on parle bien évidemment de Sid Justice qui avait fait le fameux main event avec Hulk Hogan qui. Du WrestleMania 8, dans le fond. Il a fait deux WrestleMania. WrestleMania 8 dans le main event contre Hulk Hogan, la fois que Papa Shango a manqué son run-in. Ouais. Puis WrestleMania 13, qui était champion de la WWE, puis qui s'est fait battre par Undertaker. Ah, d'accord, c'est ça. Pas pire, tu sais, tu fais deux WrestleMania, tu fais le main event quand même. Ben oui, c'est une personne qui a marqué beaucoup l'histoire de la lutte professionnelle. Ce qui me déçoit beaucoup, c'est que, ben oui, sa mort, ça me déçoit, c'est sûr. On ne se réjouit pas de la mort de personne, même pas de mon pire ennemi. Mais qui n'a pas été intronisé au Hall of Fame de son vivant. Probablement qu'il va l'être à titre posthume. Oui, c'est dommage. J'ai posé la question. Dans la WWE, on dirait qu'ils attendent que le monde y meure pour mettre le monde dans le Hall of Fame, tu sais. En tout cas. C'est sûr que les personnes sont votées. Ouais. Faut que tu sois Ben Chum avec Vince avec Triple H, c'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, on va se le dire, tu sais, Sid était quand même assez underground et assez provocateur, tu sais. Pas sûr qu'il y avait une si belle complicité avec la WWE. Puis pour avoir été champion à la WWE et à la WCW, c'est ouais.
C'est rare, là. C'est pas tout le monde qui a été champion des deux. Là. Il a fait sa marque aussi à l'ECW. Je sais pas si tu te souviens, là, il avait fait des matchs. Hein, c'était incroyable, là, le powerbomb à SmackDown. Là, ouais, ben, il avait intervenu sur les Dudley Boys. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu aussi une rivalité où est-ce qu'il y a eu un combat. Il y avait Sid et Spike Dudley contre les Dudley Boys. Oui, il y a ça. Ouais, ouais, ouais. Ça l'a marqué une certaine époque, honnêtement. C'est un gros gaillard, 6 pieds, 9 pouces. 6 pieds, 9 pouces, puis quasiment 300 livres de muscles. Oui, oui, c'est ça. Puis tu sais, ouais, il a commencé sa carrière. Bon, on ne fera pas le tour de tout ça. Mais les territoires NWA. Oui, exact, exact. Il a fait Lord Among Us. Yes, il y avait un masque dans le face. Il y avait l'air de Jason Voorhees, de Friday the 13th. Les Skyscrapers avec Dan Spivey. Yes, 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 yes. Et name it, là, on pourrait en parler. Oh, ouais. On pourrait même faire une émission éventuellement. Ben, je n'irais pas ça. Ouais. Ouais, moi aussi, c'était un lutteur qui m'a fait triper, honnêtement. Là. Psycho Sid, là, il me faisait capoter. On a parlé avec un agent de liaison pour essayer de l'avoir, Psycho Sid. L'agent de liaison, probablement, qui ne voulait pas nous dire qu'il était malade. Parce qu'il disait toujours qu'il n'était pas disponible. Mais on comprend à cette heure. On comprend pourquoi. Puis, on sait aussi qu'il a fait une dernière apparition il y a à peu près comme 3 semaines de ça. Ouais. Dernier signing avec, puis je parlais justement avec la personne qui l'avait engagé, tout ça. Puis okay. C'est ça, il filait pas tant que ça, là. Tu sais, il cachait bien son jeu, disons. Là. Donc, je voulais qu'on discute aussi du week-end dernier, mon ami, qui était concernant l'événement de l'AEW qui s'est produit au MetLife Stadium. Wembley Stadium. Wembley Stadium, excuse-moi. Wembley Stadium. D'Arrowhead Smith, comme on dit. Oui, c'est ça. De l'AEW, je parle bien évidemment du All In 2024. Comment t'as trouvé ça, mon Ben? Ben juste avant, pour moi, c'est un contrat qu'ils ont signé. À chaque année, ils vont là. Un peu comme la WWE avec le Moyen-Orient. Ouais, ça, ils vont là une couple de fois par année, tandis que la AEW va en Angleterre une fois par année pour l'événement All In. Yes. Quand même un bon événement, honnêtement. J'ai resté surpris de voir la qualité du spectacle. Bien évidemment, la carte a commencé avec un four-way London ladder match pour le AEW's Trios Championship, mettant aux pauses Pac, Blackpool Comeback Club. On parle bien évidemment de Claudio Castagnoli, a.k.a. Cesaro, Wheeler Utah, qui ont battu les Patriarches, les Christian Cage, Kill Switch, l'ancien Luchasaurus, et Nick Wayne. Il était accompagné de Mother Wayne. Yes. Bang Bang, Bang Bang Gang, de Juice Robinson, Austin Gunn, et Colton Gunn. Oui, les garçons de Billy Gunn. Puis également House and Black, House of Black, yes. Malakai Black, Brody King et Buddy Matthews. Buddy Matthews, yes. C'est des tag teams de trous. Oui, oui, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, AEW Trios. Yes, ça a brossé pas pire. Oui, c'était un beau petit combat là, pour bien ouvrir la carte. Par la suite, il y a eu le match féminin, mettant en pause Brian May qui a défait Tony Storm. Je trouvais ça vraiment intéressant. Bon, bien évidemment, le titre a changé demain puisque le combat était pour le titre féminin, bien évidemment. Et puis, je trouvais ça le fun parce que la feud entre les deux, ça datait de quand même. Il y avait une belle histoire. Oh. Ils étaient en équipe ensemble, tout ça. À une certaine époque, Mariamé s'habillait en l'ancien Tony Storm, tout ça. C'était le fun. C'était vraiment le fun de voir tout ça évoluer. Fait que je suis vraiment content que ce combat-là a eu lieu. Puis c'était quand même un bon combat, un genre de 7 sur 10. Là. J'ai adoré ce combat-là. Pour qui est devenu le nouveau champion Fuck the World, FTW, en défaisant Chris Jericho, qui était accompagné de Big Bill et Brian Keith par soumission. Et, la stipulation disait que si Hook perdait, il n'y avait aucune chance pour le FTW tant ou aussi longtemps que Chris Jericho était champion. Mais là, il l'a battu. Yes. Il a été pour un bout. Puis est-ce que tu penses que le Politically Power a joué beaucoup en la faveur de Hook du fait que c'est le fils de Taz? Peut-être. Mais quoi, qu'il est bon le petit gars? Oui. Oh, il est bon le petit gars. T'as le père, t'as le fils. Ben ouais, c'est ça. Par la suite, il y a eu le three-way tag team de l'AEW, les Young Bucks,
Matthew Jackson et Nicholas Jackson, Matt et Nick, qui ont défait FTR et The Acclaim by Pinfall. Donc, c'était une fois de plus un match sensationnel entre ces gaillards-là. Ce que je trouve un peu plate des shows de l'AEW, c'est qu'il y a trop de lutteurs. Fait que là, tu sais, il y a trop de titres aussi. Il y a trop de titres, trop de lutteurs, trop de tout. Fait que là, tu sais, tu perds un peu le contrôle, tu perds un peu le fil de tout ça, tu sais. Tout le monde est champion. Il y a comme plus de valorisation d'être champion, tu sais. Il ne faut pas oublier que Acclaim t'a accompagné de Billy Gunn. Yes, tout à fait, tout à fait. Mais quand même un bon combat, là, un autre 7 sur 10. Par la suite, il y a bien évidemment eu le Casino Gauntlet Match pour avoir une chance au championnat AEW. C'est ça. Puis c'était Christian Cage face à Kyle O'Reilly. Ouais, parlant de Christian Cage, il n'y a pas un ami Christian qui t'a fait quelque chose sur le bras? Yes, ben oui. Mon on peut le plugger un peu, notre grand chat. Chris m'a fait un tatouage. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça représente la famille et les... un ami de longue date qu'on connaît depuis quoi, la maternelle, la première année? Ça fait 30 ans minimum. Oh, oui. 25 ans minimum. Yeah! Salut Christian. Yes. Ensuite de ça, il y a eu un combat quand même assez intéressant AEW International Championship. Mais c'est ce que je dis, c'est que pratiquement tous les combats étaient pour des championnats. C'est ça, quand je te dis qu'il y a trop de titres, ça peut bien ça. Ça, tu sais. Il y a quoi, il y a 10 titres à peu près? C'est ça. Comme la WWE. Là, il y a une rumeur, vous l'avez sûrement lu comme nous autres. Il y a une rumeur de mettre un titre intercontinental puis un titre États-Unis dans la division féminine. À un moment donné, c'est quoi? Là, tu vois être champion de la cabane à patates frites, ça va être rendu ça. Chez la cabane à patates frites chez Gaétan Couchetard. Non, ça va être quasiment rendu ça. Ben oui, c'est tout le monde ça, va avoir une ceinture. Ben oui, c'est ça. Même les arbitres, il va avoir une ceinture pour les arbitres. Fait que là, Will Ospreay a battu MGF pour l'International. Yes! Ensuite de ça, il y a eu un combat qui était quand même tant attendu, mettant aux pauses Mercedes Moné, la championne... ancienne Sasha Banks, bien sûr. Exactement, la championne de l'AEW, qui a mis son titre en jeu face à Dr. Britt Baker DMD. Exact. Et puis, c'était quand même un bon combat. Est-ce que c'était le meilleur de la soirée? Est-ce que c'était le meilleur combat de ces deux athlètes? Il était long pareil, 17 minutes 25. Je suis pas certain. Honnêtement, ça m'a laissé un peu sur mon appétit. T'as pas une grosse opinion de Mercedes Moné depuis qu'elle est à la AEW? Hein? Tu l'aimes bien la WWE? Moi, je l'aime pas tant à l'AEW. Je trouve que elle fit pas. C'est un produit WWE. Je trouve qu'elle ne fit pas là. Ça, c'est un peu comme quand Vader s'en allait à WWE. Il était étiqueté WCW. Ouais. Non, je sais, il est bon, Vader, il était bon. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est cette WWE, on dirait qu'il ne savait pas quoi faire avec. À un moment donné, il faisait jobber, il ne savait pas d'allure. Là. Mais ça reste que, tu sais, puis je trouvais, tu sais, je regardais les deux lutter ensemble, la chimie n'était pas tant là. Okay. Puis tu sais, on dirait que les deux n'avaient pas tout à fait la même, je ne veux pas dire la même expérience parce que c'est pas vrai, mais. Je trouvais que DMD luttait un peu plus sloppy. Je trouvais que c'était un peu comme pas dangereux, mais je me disais, Christy, c'est-tu vraiment, tu sais, on est-tu vraiment rendu là à juger les gens par leur professionnalisme, leur façon de lutter? Écoute, vous l'écrirez en commentaire pour voir si j'ai raison en disant ça, honnêtement. Mais j'ai resté un peu sur mon appétit pour un combat qui était vraiment attendu, honnêtement. Ouais, la field a été... Une foule de 50 000 personnes, man. C'est pas 50 000, même 80 000, ouais, je pense que oui, hein, je me souviens. C'est-tu de Wembley Stadium, le Sultan? Ah, juste 50 000. 50 000 et plus. Fait que, tu sais, j'ai pas les chiffres exacts, mais bon. Tout ça pour dire que c'était quand même un excellent combat. Par la suite, il y a eu ce combat-là. Est-ce que tu veux en parler, mon Ben? Oui, il y a eu un coffin match, un match de cercueil, mais d'après moi, ils n'ont pas le droit de dire casquette. Il faut qu'ils disent coffin à cause d'un droit d'auteur. Ben oui. Entre Jack Perry, qui a défait Darby Allin pour le titre AEW TNT. Autrement dit, Jack Perry a réussi à conserver son titre. Oui, puis il y a eu quelques petits clins d'œil à CM Punk durant le combat. Jack Perry
a encore une très grande rancune contre CM Punk, et on le voyait à l'écran, tu sais, dire hey, ça, là, c'est de la vraie vite là, dans le pare-choc, puis on va faire le spot pareil, tu sais. Mais bon, regarde, je trouve ça assez bébé un peu. Là. Je veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais tu sais, sans vouloir nommer personne, il y a des gens qui ont été travaillés du Québec. À l'AEW, puis tu sais, il y a beaucoup de brasses camarades, beaucoup de politique AEW, beaucoup de chicanes à l'arrière. C'est difficile de faire sa place. Ouais, mais ça, c'est le même partout. Mais ça a l'air que c'est plus qu'ailleurs. Tu parles de l'AEW en particulier? Ouais. OK. Ouais. Parce que la WWE, il n'avait des clics, là, il n'avait. Yes. Un combat qui était, pour moi, selon moi, un 11 sur 10, c'était le title versus career qui mettait aux pauses Bryan Danielson, The American Dragon, oui, face à Swerve Strickland, notre ami Swerve Strickland qui se tient avec notre ami, Prince Nana. Oui, oui, bien sûr. Yes. Lui, il n'était pas accompagné de Prince Nana. Non, il n'était pas avec Prince Nana. C'est ça. Un excellent combat. Si Swerve remportait le combat, Bryan Danielson prenait sa retraite. Et si c'était le contraire, bien évidemment, c'est ce qui est arrivé. Donc, on est rendu avec un nouveau champion de l'AEW. En la faveur de M. Bryan Danielson, qui a livré la marchandise une fois de plus avec un méga blade job et toute la partie. Ouais, on voyait les photos de tout ça. C'était assez, sur Facebook. Ça a brassé pas mal, je dirais. Faut pas oublier aussi le gala. Il y a Live in Berlin en fin de semaine de la WWE. Yes. Puis il y a All Out le 7 septembre prochain. Tout à fait. Puis si vous aimez aussi, en parlant de Live in Berlin, si vous appréciez Gunther, sachez que la WWE a sorti une ceinture intercontinentale exclusive pour célébrer les 166 jours de règne de Gunther. Ils ont fait une belle ceinture en cette mémoire-là. Je parle comme s'il était mort, là, mais tu sais, elle est vraiment fabuleuse. Ben moi, j'ai l'impression que personne ne va battre ce record-là, du moins tant que je vais être vivant, là, d'après moi. Ah non, c'est ça. On va peut-être garder à strap 6 mois, mais garder comme pendant quasiment 2 ans, comme il l'a fait. Non. Pas de mon vivant, tu vois, ça m'étonne. Yes! Alors, avais-tu d'autres choses à plugger, mon Ben? Non, là, vite de même. Ne manquez pas le Live Wrestling Auctions le 18 octobre prochain avec notre invité Adam Bomb. Yes! On l'a déjà plugué au début, mais ça ne coûte rien de la repluguer. Parfait. Alors, vous écoutez la saison 6 du Wrestle Rock Podcast et c'était nos nouvelles du jour, de la semaine, du mois. La semaine du mois, c'est... Après, ça faisait une couple de semaines qu'on n'avait pas fait. On est tellement des gars qui... Yes! D'ailleurs, vous le sentez dans notre voix, on est fatigué. Mais... Tout à fait, on le voit dans mes yeux. Exactement. Alors, revenez-nous très bientôt, les amis, l'action ne manquera pas. Au revoir! Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. Million dollar man.